Je suis contre les mélanges. Plus exactement, je suis contre les mélanges quand on n'a pas déjà analysé les éléments qui vont être mélangés. Une fois qu'on connaît les éléments en question, le mélange peut avoir lieu. Mais partir du mélange, alors qu'on n'a pas pris la peine de différencier les facteurs en question, c'est une aberration épistémologique et scientifique. De la même façon, par exemple, que ce n'est pas dans le couple qu'on peut déterminer ce qu'est un homme et une femme. Parce qu'il y a une interaction, automatiquement, dans la cohabitation. Il faut distinguer les hommes et les femmes, et après, envisager en quoi pourrait consister leur complémentarité. Mais simplement le vivre à deux détermine des complémentarités ridicules, enfin, dérisoires, qui ne veulent rien dire au niveau de ce que c'est qu'un homme et une femme. Il peut y avoir des inversions de rôle, enfin, toutes sortes de facteurs aléatoires qui vont entraver la réflexion sur la connaissance de ces différents facteurs.